Tu vois, moi, je suis dans une société de fabrication des vins. Tu vois un peu? Voilà notre produit qu'on met sur pied. Et c'est un vin que tout le monde aime au Cameroun. C'est quel vin ça? Elvino, le vin qu'on aime au Cameroun. Oh, Elvino! Jusqu'il y a même mon petit One Piece qui a chanté, c'est Elvino! Voilà, ça c'est le vin qu'on aime au Cameroun. Actuellement, si on a un gros problème, regarde, quoi comme ça? je veux présenter à mon entreprise un influenceur haut de gamme qui va nous permettre de promouvoir la marque de ce vin. Mais je suis déjà ton influenceur, je t'influence pas. Non, tu sais que. Le petit frère, il t'influence pas. Non, tu m'influences, mais c'est que. Yes. Toi, tu es un patriarche. Tu non, je connais, il faut, le donc, il faut avoir une gamme de personnalités influentes. Mais je ne comprends pas. Comme vous, les gars des entreprises, vous avez votre langage codé là. Explique-moi, bro. Tu sais que ça, c'est un vin qu'on aime au Cameroun. Tu vois un peu, non? Oui, ça, c'est le vin des jeunes. Les enfants et tout ça, il faut quelqu'un qui va nous promouvoir la marque de ce produit. Mais quand il va porter le vin au cigare, ça va taper. Moi, je te fais confiance. Je sais que tu as souvent les gars. Moi, je voulais te positionner. Tu vois un peu, non? Mais tu sais que comme les gars pensent toujours que c'est le goût des. Mais toute l'armée cinglée, si moi je suis déjà d'abord dans un projet, automatiquement toute l'armée cinglée est plongée dedans, bro. Non, j'ai confiance. Toute l'armée cinglée est concernée. Mais il faut que ça, mon frère. Je suis une pression qui n'a pas de nom, mon frère. Mais moi, je suis là. C'est quoi, tu as besoin des autres gens? Oui. D'autres petits influenceurs. Deux, trois, voilà. Deux, trois, là. Je sais que ça va. Attends, il connaît quel influenceur. Deux, trois. Ben, je sais que derrière toi, ça va prendre à un niveau. On connaît quelle influence. Oh, il y a mon petit Mata. S'il était à Mata, c'était l'ancien nom. Maintenant, on l'appelle Dossier. Ah, le Joe qui dit souvent que. Que Blanche Bailly, c'est une Française. Que l'afficheur du compteur, si Kandel. Ah, le Joe là, il est bon, mais c'est quel Joe? Qui le nom? Je le connais. Ouais, c'est vrai, lui et moi, on sait. Mais il peut gérer le dossier là. Mais de, quand toi-même, tu vois ses contenus. Quand toi-même, tu vois ses contenus. Donne-moi son nom, bas. La pression du travail que j'ai là, c'est la magie seulement. Bon, il va bien te gérer ça. Il y a confiance. D'abord, un petit que quand il met un contenu dehors, ça ne fait pas moins de 500 000. Tu es ma personne. Moi, je suis de ceux-là qui respectent le travail des autres. Okay. Parce que mon public, ce n'est pas son public. Tu vois un peu. Ça permet que si tu as mon public et tu as son public, le produit est bien monté. Moi, je préfère. On l'appelle ensemble. Ah non, appelle-le. Moi, lui me nomme pas. Ok. Après, là, on fait un rendez-vous tous les trois et on établit sur le projet. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Latisse. Ça dit quoi? Je me nomme Eric Mayonnaise, animateur événementiel. D'accord. Je suis en train de travailler sur un projet là. J'ai un ami qui m'a donné ton contact et on peut faire de très bons projets. Oui. Les gens peuvent rien se dire au téléphone. Hein. Toi, tu as quel niveau? Ton cadavre, je ne suis pas loin de là. Je ne suis pas loin de là. Donc... Je vous prends là. D'accord, sans souci. Oh. Bonjour, c'est Chocron Gana ici, s'il vous plaît. C'est Chocron Gana ici. Oh. Tu veux quoi? On peut prendre un pot. Asseyez-vous. Si. J'ai donné la clé à ma serveuse depuis j'ai fermé, depuis elle n'est pas encore arrivée. Mais vous voulez voir? Je vais aller vous là. Mais vous même quoi? Je suis là, vous appelez quoi? C'est ton canal. Patientez, elle arrive. Et c'est même fermé, il n'y a pas de bien. Je suis assis là. Ok, je vous attends. Merci beaucoup. Ton canard est parti par où? Bonsoir, j'attends qu'on ouvre juste le bar. Prenez place. T'assois là-bas. Prenez sous place. Sous le coin maintenant de l'administration. Voilà. Et pourquoi maintenant vous foutez de nos gueules? Quand on veut consommer alors libéralement. Si je suis venu ici, c'est pour te faire plaisir. Tu sais. Monsieur, maintenant, alors. Vous êtes venu maintenant pour nous inviter et avec mademoiselle. Pourquoi nous avons dû
nous inviter. Donc, bonsoir, monsieur. Pardonnez. C'est vous que j'appelle depuis là, les données. Pardonnez. Les données, c'est vous que j'appelle depuis là. Les dossiers, ou bien monsieur Nyoxé. Ok, les dossiers, voilà. Les voilà. Dossiers. Bonsoir, enchanté. T'as pris ton chambre. Enchanté, je suis content de vous avoir. Justement. Voilà. Eric Maunès, comme je vous ai dit au téléphone, voilà, je suis là pour un échange de partenariat. Vous connaissez Elvin Olouvent, qu'on aime au Cameroun. T'as pris ton vin. Je m'en sortis. Je suis là pour un contrat. Pour un contrat. Avec Elvin, je suis le responsable qui vous a appelé par téléphone. Monsieur, si vous nous avez fait comprendre des contations d'une autre fille, il faut nous respecter. Parce que cela avec, je suis avec ma femme, la mère de mes enfants. Et, salut d'avoir la mère de mes enfants. Bonsoir, vous allez bien? Ne vous foutez pas de ces contations jusqu'à ce point. J'ai comme l'impression que je ne suis pas chez la bonne personne. Je vais voir les dossiers parce que j'ai un contrat avec le dossier. Je vais établir un contrat de partenariat avec Elvido, le vin qu'on aime au Cameroun. Voilà. Apparemment, vous n'êtes pas la personne la mieux placée. C'est moi-même. Voilà, mon frère, il y a quoi? Je comprends quand même les dossiers. C'est vous qu'on appelait avant les matas. Voilà. Mais voilà, c'est bon, c'est important. C'est la virgule. Gars, je suis venu te voir parce qu'on a un projet avec Elvino. Je suis déjà là. Et il y a un gars, je veux encore deux autres influenceurs. Il y a un gars qu'on appelle Cola Sucré, avec qui je voulais qu'on travaille ensemble. Les gars, pardon, il faut épargner celui-là haut. Pourquoi? C'est un truc. Non. C'est gars... Cola Sucré, il a de l'influence. Grâce à lui, les gens peuvent plus encore aimer le vin qu'on veut mettre sur pied, qu'on veut promouvoir. Pardon, laisse au... Voilà ce que tu peux faire comme ça, là, tu meurs. Hein? Pardon. Hein, baby, tu te rappelles au jour qu'on était rentré dans les heures tardives, là, si c'était petit, jusqu'à tu as dit que tu ne veux pas me... C'est à cause de Cola Sucre, hein? Comme il te dit là. Oui, je me rappelle. Cola Sucre peut faire comme ça, tu meurs. Hein? Merde. Il peut faire comme ça, tu meurs. Fais attention. Ah bon? Tu vois comme tu es promoteur là. Hein? Tu mets Cola Sucre dans ton bain. Même les gouttes vont s'échapper. Les gouttes vont s'échapper. C'est pas possible. C'est moi qui te dis. Regarde un peu ici là. Oui, je connais, non, je connais. Il t'avait fait mal karma la tête. Voilà. Et il t'a blessé. Bon, tu penses qu'on peut gérer ça avec qui ici que tu vas aller? Mieux. On commence d'abord par KS. Pardon? Ou bien par Panthers. La flèche montante alors. Ah bon? Oui. Ça peut donner? Ça va donner là-bas. Ça peut donner? C'est là-bas une très grande maison là-bas de production. Sinon, si c'est pas là, tu es fichu. Toi, il y a encore tout le cri coucou dans son envergure. Laisse compter ça. Laisse compter ça, elle est lui. Voilà. Je jette tous les actions. C'est un gros projet. Cola Sucré, les gens le connaissent partout. On connaît là-bas Cola Sucré où? On connaît Cola Sucré où? Quand les gens ont les administrations maintenant, les aussi. Vous avez dit à ça. Mais, ça dit quoi, mon pote? Comment tu dis ton pote? Tu le connais? C'est mon frangin. Non, tu as dit tout à l'heure que tu ne connaissais pas Cola Sucré, tu le connais. Il me dit Cola Sucré, c'est qui? Tu as dit Cola Sucré, c'est qui? Tu m'as pas dit tout à l'heure que Cola Sucré, c'est qui? Moi-même, j'ai écouté un peu la fin de la conversation. Voilà, maintenant, là, les malversances. Ce sont les malversances. Mon frère. Mais petit frère, j'ai écouté tout ce que tu disais. Bro, je suis sur un gros projet, comme t'as appelé au téléphone. Mon boss veut les influenceurs puissants pour mettre, pour promouvoir la marque de Elvin. Le vin qu'on aime au Cameroun. Le gars me dit, je viens le voir, tu m'envoies un numéro. Oui. C'est lui. Il me dit que Cola Sucré, c'est une mauvaise personne. Tu ne connais pas Cola Sucré? Petit frère, c'est déjà rencontré quelque part. Mais petit frère, on s'est déjà rencontré quelque part, toi et moi. On s'est déjà rencontré quelque part. Mais petit frère, on s'est. Moi, je négocie même pour toi et te place quelque part. Et toi, tu es en train de vouloir me moigner. Petit, on s'est déjà vu quelque part. Tu es un peu sur mon champ d'action. Petit frère, viens comme ça là, non. Parlez, c'est pas sérieux. Assieds-toi là-bas. Non, c'est pas sérieux. Moi j'ai écouté, j'étais ici là.
Mais petit frère, pourquoi vous êtes comme ça? Quelqu'un me dit. Moi, je t'ai entendu. Je t'ai entendu, je t'ai vu. Ah, mais petit frère, pourquoi vous faites ces gens d'hypocrisie entre vous, les influenceurs? On t'a dit que si toi tu chopes et que ton frère mange aussi là, sur le même contrat, ça ne sera pas bien. Donc, je vois que tous les influenceurs camerounais sont bien. Ça sera mauvais. Pas parler. Mais bon, vous voyez c'est alors comment les artistes sont entre eux. Voilà pourquoi c'est il n'y aura jamais l'unanimité. Justement, justement. Je suis dépassé à mon frère. Mais bon, tu me confies, tu me donnes un contact pour un projet à long terme. Pour une grosse marque de bon au Cameroun. Mais comment les artistes seront respectés? C'est pas possible. Elle n'a pas pour le faire. C'est pas possible. Petit frère, pour ta bonne cause, c'est moi qui donne ton numéro pour qu'on te mette dans le combo aussi. Mais on ne sait jamais plus. Vraiment. Voilà. Tu vois, vraiment, c'est comme s'il n'est pas normal. Ou son depuis... mal, non. Même la pierre qu'elle a demandé contre ton père, il avait même déjà pris. Non, non, il n'a pas, c'est pas servi depuis. On a non, ça vaut pas la peine. Pour... Non, mon frère, c'est pas sérieux. On c'est a pas posé. Sérieux. Il est soyez pas unanime, vous les. Soyez unanime, vous les artistes camerounais. C'est pas sérieux. Soyez unanime, vous les artistes camerounais. C'est synonyme. Pas sérieux. Synonyme. Mais mon frère. Synonyme. Oh là là, ton gars, il n'est pas sérieux. Hein. En gros, même. C'est moi, pas vraiment. Pas je viens pour un gros projet, vraiment. En gros. Désolé, hein. Il n'est pas en santé. Vous prenez la route. Le matin, pardon. Vous prenez ma route pourquoi? Je ne peux pas sortir avec ce genre de femme, mais il n'est pas avoir une taille. Bonne journée. Bonne journée. Tu peux être même encore bien t'allumer. Que y entendre encore que tu parles. Tu les allumes pourquoi? Si on ne fait pas ce qui m'a c'est toujours elle que j'entends. Il est telle heure, il est telle heure. Il est telle heure. C'est vraiment elle qui m'appelle. Il est telle heure. Je vous reprends. Il est telle heure, il est telle heure. Tu vois que l'ingratitude, attends, tu vois que l'ingratitude, ce n'est pas un service. Ce n'est pas un service. Il faut avoir aide. Il faut avoir honte d'être ingrat. Attends. Tu es aussi de l'ingratitude. Tu fais partie aussi de l'ingratitude. Non, tu fais partie de l'ingratitude. Moi, c'est ingrat. Pourquoi toi, tu m'aimes? Moi, c'est ingrat. Pardon. Qui d'abord comme ça, là? Pardon.